a new world, painted two-tone. Came straight up out the trap with a mission. Got hard. Yep, c'est Lost in FC 2. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nino, Paris c'est magique. Alors d'ailleurs, je tiens à dire un petit quelque chose. Nino, j'ai... Comment dire? Alors j'ai écouté l'album... Alors comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai écouté l'album Destin de Nino et Bénef de NASA. Voilà. Et bah franchement... Si vous voulez savoir un truc, les deux albums sont lourds. En vrai, hein, en vrai, les deux albums sont lourds. Si vraiment il faudrait avoir une préférence, moi je mettrais. Je mettrais celui de NASA, moi. Je mettrais celui de NASA parce que le problème c'est que de toute façon, pour moi, vraiment, et je suis désolé aux gens qui vont pas aimer ou quoi que ce soit, mais pour moi, les gens, pour moi, le seul album où toutes les musiques étaient bien, ou vraiment, toutes les musiques étaient bien. Après, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est... Voilà, pas forcément celui de tout le monde. C'est l'album Demi Boy de 6ix9ine. Pour moi, c'est le seul album où vraiment j'aime écouter toutes les musiques. Parce qu'on est d'accord, vous savez, par exemple, ceux qui aiment Kaaris ou autre, Or Noir 3, vous aimez peut-être l'album est bien, mais vous allez peut-être pas kiffer écouter toutes les musiques. Il y a peut-être des musiques que vous allez aimer écouter, mais peut-être pas toutes. Si vous aimez écouter toutes les musiques... Grand bien vous fasse, c'est ce que je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais en tout cas, l'album de Nino est bien, et celui de NASA est bien aussi. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore écouté ça, allez checker les deux, ça vaut le coup. Ensuite, donc on va voir ce que ça donne. Par contre, moi, il y a un truc qui m'étonne un peu, c'est que Nino, Paris c'est magique. Cette musique-là, elle n'est pas dans l'album. Parce que en vrai... Comment je suis en train de passer pour un con? J'ai dit j'ai écouté l'album de Nino, mais Paris c'est magique. Il me semble pas l'avoir vu comme titre. Hein. Après, je l'écoutais quand j'étais en voiture, donc je saurais pas. Je sais pas. Bref, je vais écouter le son et je vais vous dire à la fin si c'était dans l'album ou pas. Il me semble pas avoir vu de titre qui s'appelait comme ça. Enfin bon. Let's go! NIH. Ah oui, mal luné, tout à fait. J'avais oublié. Y a pas de son? Par contre, Nino, il met des vestes. Vraiment, je crois que j'ai loupé un truc. Moi, je te parle en connaissance de cause. Ok, elle est dans l'album. Le je te parle en connaissance de cause, je m'en souviens. Monnaie dans la cave et sa paranoïaque bientôt atteindre la calvitie. 22, y'a les ports, j'ai calé ça. Y'a les ports, mais j'ai déjà calé ça. J'te parle en connaissance de cause. Nous, c'est la cause à eux, c'est des comiques. Ouais, elle est dedans. Regain monnaie dans la cave et sa paranoïaque bientôt atteindre la calvitie. 22, y'a les ports, j'ai calé ça. Y'a les ports, mais j'ai déjà calé ça. J'te parle en connaissance de cause. Nous, c'est la cause à eux, c'est des comiques. Y'a ceux qui disent et ceux qui font les choses. Y'a les real niggas et les Tommy, dictateurs comme Fidel. Toi, t'as disparu comme Faudel. Hey, les produits purs sortent des tonnels. On sait rien faire d'autre à part niquer les sinus des ML. Triple platine, j'trouve ça pas mal. On te l'est accroché à Nemours, pétrodollars. Après demain, j'achète les marges. J'en baisais déjà étant mineur. J'en baisais déjà étant mineur. Et le pétard fait 9 mm. T'auras beau faire 1m95, tu sautes. Direct, la finance. Sur les gouttes, tiens, les flocons m'écoutent, te goûte. Ok, conquistador à bord d'Aventador. J'ai beaucoup trop de choses à vous dire. J'suis le genre de mec qui s'attend au pire. On préfère être surpris que déçu. T'inquiète, j'ai coffré les sous. J'ai pas tout claqué chez Régine. A 47 à la régie. Là, c'est la violence en direct, Mani. J'rentre dans le périph' intérieur de Paris. Entre la rue et les palaces, y'a ta réception qui sépare. J'en ai vu toutes les couleurs comme un sapeur. On sait qui s'écarte quand ça pue, bâtard. Any. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Il faut que je marque mon territoire. Il faut que je pisse sur tes poteaux. Je crois que plus rien peut m'épater. Complètement pété dans l'auto. Je pense à ce que je vais leur faire après. Très loin de tout leur théâtre. Je sais très bien qu'ils ont hâte. Ça whipping dans la grotte. J'ai des cadeaux plein la hotte. J'ai claqué là, ça sème des hits. Oh la señorita, c'est moi que tu veux. Ou bien ma célébrité. Pété sous jeune, je ne fais que cogiter. Rien à foutre de ton amitié. Je donne déjà trop à mes frères. Le temps que personne viendra te l'offrir. Au pire, tu seras tout à tes frais. Demande aux frères en mes fers. Et comme Redouane, on va fuir. L'hélico tombe dans la ville. C'était les études. Le vol, on a choisi RAP et je crois qu'on s'est pas trompé. Et maintenant que c'est nous
connaîtront pas. On va revoir. Ah, ça s'approche de Paris là. Périphérique. Je reconnais les bâtiments. Et le jean est noir comme mon cœur. Escroc comme Rocancourt. J'ai même plus le temps de faire la guéguerre. Ramène la mallette de violet. Réinvestir dans mon pays. Les petites coupures, c'est pas pratique. Mais pareil, c'est magique pour ceux qui ont du bif de tes coups. Ouais, pareil, c'est magique pour ceux qui ont du bif de tes coups. Les Oanino, vraiment, je comprendrai jamais, sûrement. Il y a un son dans son album d'ailleurs qui s'appelle juste Eni. J'ai une petite question. Si vraiment tu veux faire un clip Paris c'est magique avec les couleurs de Paris, en représentant Paris, en parlant de Paris, tout ça. Pourquoi, avec l'argent que t'as pas pu faire juste un seul survêt, mais designé, genre un survêt comme celui, comme le survêt de Paris Saint-Germain. Et là, je parle pas forcément de foot, hein. Je parle peut-être de handball, de rugby, de ce que vous voulez. Mais voilà, un truc de Paris. D'une équipe de Paris. Mais designé différemment. Parce que moi, clairement, ce que j'aurais fait, je fais un clip de Paris, c'est magique, si vraiment je veux vous faire comprendre que Paris, 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 c'est le feu, tout ça. Clairement, j'aurais fait ça, moi. Après, c'est, l'idée lui est peut-être pas venue, c'est peut-être juste ça. Mais moi, j'aurais fait ça. Si vraiment tu veux être à fond dans un truc, prends pas juste des habits de mec qui a de l'argent ou un truc comme ça, prends des habits qui représentent ce que toi tu veux faire passer dans le clip, mais en plus stylé. Vous voyez les arbitres, enfin, comment on va dire ça? Vous voyez les survêtes par exemple, les survêtes du Paris Saint-Germain, vous avez le haut, vous avez le bas, c'est assez stylé. Et d'année en année, des fois ça peut changer, le design peut changer, peut progresser. Et ben en gros, moi dans mon idée, ça aurait été l'équivalent, entre guillemets, de ce que le survêt de Paris sera en 2025 par exemple. Si vous voyez ce que je veux dire. En gros, un survêt de Paris, mais designé de façon à ce que ça soit grave stylé. Donc potentiellement, à quoi ça ressemblerait dans quelques années. Et là, au moins, les gens vont voir que c'est Paris que tu représentes. Paris, c'est magique et tout ça, que c'est Paris que tu représentes. Mais même visuellement, tu vas représenter Paris. Parce que là, dans le clip, tu veux représenter Paris. Mais visuellement, dans le clip, tu représentes pas Paris. Tu représentes un mec qui a de l'argent. Pas forcément un mec de Paris. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je voulais dire. C'était Losters. Nino, on va le laisser profiter de son album, mais par contre, je comprends pas. Lui, sa popularité, c'est bizarre. Comment ça se fait? Il se fait courser partout. La dernière fois, il était à Châtelet, il s'est fait courser encore. C'est pas possible, il se fait courser tout le temps. Enfin bref, c'était Losters. Par contre, son album, c'est une tuerie. Tchuss.